Salut tout le monde, c'est Ultimate 83. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mon tout premier commentary. Vu que sur mes dernières vidéos que j'ai sorties, j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui me conseillaient de commenter mes vidéos. Donc j'ai voulu faire un test pour savoir si ça allait vous plaire ou pas. Donc pour ce commentary, j'ai choisi une partie, ça va être une partie en live du multijoueur de Killzone 3. Le mode de jeu, j'ai mis guérilla, donc c'est un match à mort équipe, normal. Je vais vous expliquer vite fait le fonctionnement de ma chaîne, comment je fonctionne. Donc sur ma chaîne, vous trouverez pratiquement que des gameplays. Il m'arrive de faire des glitches, mais c'est rare, c'est surtout des gameplays sur PlayStation 3. Et surtout sur les nouveautés, voilà, sur les jeux qui sortent. Mais après, voilà, si... certains d'entre vous hésitent à acheter un jeu, il peut m'envoyer un message sur YouTube ou sur Play3. Mon pseudo c'est Ultimate83. Si jamais je possède le jeu, je peux lui faire une vidéo de gameplay ou même la commenter carrément. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vais juste me faire tuer. Je connaissais pas ça. Le mec, je crois que c'était un pote, mais en fait c'était un ennemi. Mais bon. Bon. Pour mes prochains commentaires, si je continue à en faire. Ça sera, je pense que ça sera surtout pas du live, parce que pour moi le but, comme je pense que le but d'un commentary, c'est de proposer un beau gameplay, parce que commenter un gameplay où on fait plus de morts que de frags, je pense pas que ce soit intéressant ni pour moi ni pour vous. Moi j'ai fait, voilà, j'ai surtout fait cette vidéo, c'était surtout un test pour voilà, pour vu que vous me demandiez d'en faire un commentary, c'était surtout un test pour savoir si ça vous plaît ou pas. Pour ceux qui voudraient jouer avec moi en multijoueur sur PlayStation 3, mon pseudo c'est Ultimate83, vous pouvez m'ajouter, j'ai de la place. Et j'accepterai tout le monde jusqu'à voilà, jusqu'à que ma liste d'amis soit pleine, y'a pas de soucis. Petite frag. J'espère faire quand même un score positif pour mon commentary, mais ça va être dur. C'est bien si je pense que ça va pas te plaire. Parce que je suis déjà pas très fort au FPS, mais alors en plus sur la série Killzone, j'ai vraiment du mal. Et en ce moment, je joue principalement en ligne. Surtout en ligne, c'est surtout sur Call of Duty Black Ops. Voilà. Là, j'ai fait une petite vidéo comme ça, c'était pour tester le multijoueur et commenter voilà, en même temps. Et j'ai surtout acheté, moi, sur Killzone 3, je l'ai surtout acheté pour le solo, car le solo du Killzone 2 m'a beaucoup plu. J'ai surtout acheté pour ça, mais bon, je vais quand même faire des parties en ligne avec mon clan. Mais sinon, c'est principalement sur Black Ops et en mode zombie, je pense en faire de plus en plus. Donc pour ceux qui souhaitent faire du mode zombie, vous pouvez m'ajouter. Je suis totalement perdu, je connais pas du tout la map, je connais pas trop comment ça marche en ligne sur Killzone. Voilà, je me suis fait tirer, je vois pas d'où ça vient. On va essayer de changer un peu dans tacticien, fusil à pompe, on va essayer. Attends, je vais vite me planquer là, je vais rader mon score. Je suis... Alors, tac, 3 victimes, 4 morts. Bon, c'est pas pourri, mais bon. Je sais que je peux faire beaucoup mieux que ça, ça c'est sûr. Là c'est à peu près, ouais, j'ai dû faire 5-6 parties. Ah mais c'est que ça fuit à pompe, j'habite 13, je me rappelais plus. Mais bon, j'ai réussi à l'avoir, c'est bon. Putain, ça je me fais toujours avoir. Hein. Je vois le pseudo vert, je crois toujours que c'est un pote, mais c'est toujours un ennemi. Bon, on va garder le fusil à pompe. Il a l'air quand même assez puissant, donc voilà. Bon, je vais essayer de suivre mon camarade. Ça, s'il se fait tuer, je lui pique sa frag. Alors, où je vais là? Je vais tirer, je connais pas du tout les maps, c'est la catastrophe. Je
Ah, mais là, je sais vraiment pas où je suis parti. Je suis vraiment. Ça fait une heure. Ah, ça vient de ça. Voilà, il mourra pas. Putain. Je tire quand même à côté. Ah, j'ai beaucoup de mal avec Killzone. Par rapport à Call of, c'est quand même. Je trouve le gameplay un peu plus lourd quand même à bouger. Je dis pas que c'est nul, loin de là, mais. Pour moi, c'est quand même. Quand on sort de Call of Duty, ça. Ça fait un choc quand même un peu. Et bon, voilà, le solo, j'ai dû jouer une heure au solo. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le mode solo, j'aurai quand même plus l'habitude, ça sera beaucoup mieux pour moi. Je pourrais vous proposer des bonnes parties. Ça serait, voilà, ça serait quand même mieux que ces parties-là, mais bon, c'est pas grave. Alors. Je suis vraiment perdu sur cette carte. Il y en a un là-bas, mais là je peux rien faire. Je suis bien perdu, je vais pas tirer aussi loin. Putain, j'ai pas eu le temps de me retourner. Enfin, j'ai eu le temps, mais. J'ai mal visé, c'est surtout ça. Donc, on va changer quand même. Je vais reprendre. Non, on va tester. Pistolet mitrailleur. Le sniper, on va tester comment il est. C'est comme ça, donc ça va. C'est rare que je joue au sniper, que j'ai vraiment, je suis vraiment bidon, alors vraiment bidon, petit bidon au sniper. Mais sur Killzone ça va, il est pas mal. Le viseur c'est un peu plus simple pour moi pour viser, mais sur Call of Duty c'est vraiment une horreur. Essayer de l'avoir. Il y en a un là aussi. Je vais plus rouge. Non, mais... Je crois que je vais vite l'enlever, le sniper. Ça, ah bah la partie est finie. Bah voilà, bah, cette vidéo c'était voilà, c'était un test pour mon premier commentaire. Merci de me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a plu. Et je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres gameplays. En tout cas, portez-vous bien, à plus, bye bye.